Billy. Bonjour, Tiffy. Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est une vidéo spéciale jeu interactif pour chien. Je vous en présente trois dans cette vidéo-ci. Deux faits maison qui coûtent pas grand-chose, sérieux. Tout le monde qui a un chien ou pas d'ailleurs peut avoir ces articles à la maison. J'ai un jeu fait maison qui prend deux articles, puis j'ai un jeu maison qui prend un article. Fait que je vous présente ça. Il y a un jeu interactif que j'ai acheté la première vidéo là, que j'ai acheté, c'est une boule de nourriture. Je vais vous mettre une photo parce que je la trouve pas, ma boule, pour chien. Mais faut le seul désavantage de celle que j'ai achetée, c'est qu'il faut des mini-gâteries parce que sinon ça passe pas dans les trous. Je l'ouvrais pour que mon chien le trouve. J'ai pris au citron, je l'ouvrais. Je vais faire sentir. Puis je vais aller le cacher. Kiss!
retrouver la poche. Pour une nouvelle stimulation mentale, j'ai pris un linge, une serviette, j'ai un moyen chien, mais avec une grosse mâchoire. Fait que c'est sûr que si vous avez, exemple, un chihuahua qui est plus petit, qui a le nez plus petit, de prendre une serviette plus petite. J'ai ce gâterie-là, c'est du saumon lyophilisé. Et ces gâteries-là qui sont comme plus petites au bœuf. J'ai en mettre un peu partout sur la serviette. Puis je vais rouler la serviette. Je vais faire des nœuds dedans aussi. Puis les saumons, mettons, je trouve qu'ils sentent très fort. Fait que ça va l'activer, mettons, à essayer de chercher. Fait que on roule. Une rangée de ceux-là. Puis ça, je veux dire, tout propriétaire de chien en ont. C'est-à-dire que des gâteries, tout le monde a ça. Des serviettes, tout le monde est censé avoir ça à la maison. On fait un boudin et maintenant on fait des nœuds et déjà prêt. On a peut-être beaucoup mis des gâteries, mais c'est sa première fois. Donc, ça ressemble à ça. J'ai déposé à terre et l'a filmé. Thank you.
trophée des gâteries. Le nœud va être beaucoup plus difficile à défaire pour elle. Puis plus votre chien est habitué, plus vous faites des nœuds serrés.
J'ai l'impression qu'elle a tout trouvé, mais elle cherche encore. Peut-être que l'odeur des gâteries s'est imprégnée dans la serviette, là. Tu sais, je voulais commencer avec des gâteries qui sentaient fort pour l'inciter à chercher. C'est sûr que je compte faire une partie 2. Donc, si vous voulez voir la partie 2, abonnez-vous pour être certaine de ne pas la manquer. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, puis on se revoit dans une prochaine vidéo. Ciao!